approche. Comme Leonardo DiCaprio. Avec Leonardo DiCaprio, c'est chaud en vrai. C'est zéro problématique, elle fait ce qu'elle veut, péter des airs. Ah oui, non, mais y a pas de problème en vrai. En fait, avec là, elle fait ce qu'elle veut, péter des airs, bah ouais. Moi, si je me chie dessus et je fais des boules de pétanque avec ma propre merde, etc., bah je fais ce que je veux. Et qui toi pour m'imposer de ce que tu veux? Il y a un moment, c'est fini cette époque-là, hein, où on avait des gens un peu réfléchis, qui avaient une conscience, un honneur, tu sais. Eh, maintenant, c'est le progrès, hein, chacun fait ce qu'il veut. J'ai 70 ans et je me fais une meuf de 18 ans, bah elle est majeure, donc bon. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal, les gars. Hein. Pas le droit de faire ça. Ah, je troll un peu là. Oh, je troll de ouf même. Il y a du 15 ans qui allait sortir. Oui, mais 15 ans, je crois qu'il y a vraiment des vrais problèmes là pour le coup. Enfin, c'est même pas je crois, c'est je suis sûr. Ah, oh, vas-y, je rate tout. J'ai toujours un seul d'AP, frère. Et je rate tout. C'est Ward ou... Ah, le problème c'est que Kate Lux, ils ont quand même beaucoup de range et ça va, on tient, mais bon. Elle a le même farm le Twitch. Devoir flash. Ouais, dommage, je pense qu'on aurait pu faire mieux, mais bon. Donc le Gragas a pas trop envie de jouer autour de nous, alors que bon, la lane qu'il faut ganker. Killing spree.
40-50, il y a quoi de chelou? Tes grands-parents ont pas d'écart. La génération de nos grands-parents qui avaient jusqu'à 20 ans d'écart. Ouais, mais après, ça dépend l'écart à quel âge il est, tu vois. Moi, je trouve que... Tu vois, genre, je sais pas, t'es une meuf, t'as 40 ans, tu te fais avec un mec de 60 ans. Tu vois, t'as déjà fait ta vie, no joke. Y'a aucune... Enfin, tu vois, genre, y a pas... Il est, j'ai claqué mes deux. Genre, je sais pas, moi j'ai 32 ans. Tu vois, genre, imagine, je me sépare de Ludivine, no joke. Ça me ferait chelou d'être avec une meuf de moins de, je sais pas, 25-26 ans, tu vois. Oh. Ah, c'est le pire timing de gang, quoi. La règle, c'est divisé par 2 plus 7. Par exemple, 30 ans, âge minimum du partenaire, 22 ans. Eh frère, même 22 ans, genre... En fait, il y a aussi un point de vue, no joke, que... Enfin, moi, no joke, il y a aussi un truc de centre d'intérêt et tout, tu vois, genre... Imagine, t'as 30-35 ans, t'as déjà quand même... Un peu de vécu, t'as quand même des expériences et tout. Avoir une meuf qui sort de le fac ou de trucs, qui est entre guillemets pas bête comme ses pieds, mais bon. Et qui a rien vécu, qui a rien, qui est en mode... Enfin bref. Go next. Bah oui frérot, t'es en 3-1. Ça m'a l'air évident, go next. Ah, chaque mon flash pour prendre un kill, ouais.
Pourquoi il overstay le Gragas? Pas pourquoi les gens ils overstay comme ça, ils forcent de fou. Un peu dommage parce que déjà on joue contre Lux Kate qui est pas un match-up facile. Notre jungle il vient deux fois pour donner 6 kills. Un peu dommage. Mon point de vue c'est qu'un Gragas avec une Zoé c'est un peu dégueu. Attends, Zoé en vrai c'est une enfant dans le lore, non? Je crois que dans le lore c'est une enfant hein, les gars. Pas envie de... Voilà mais... Non c'est une divinité. Ah bah ça va alors. Ah bah si c'est une divinité ça va. C'est comme je crois c'est pour les mangas ou... Tu sais les mangas un peu de cul. Je sais que je suis pas un expert là dedans donc... Mais tu sais les mangas de cul etc ou... C'est les mangas de cul qu'on appelle genre bah non c'est pas une petite fille de 4 ans c'est y'a pas un délire comme ça. Tu sais où les gens pour se dédouaner ils sont là en mode non mais c'est pas une petite fille dessinée là c'est Dieu. Ou tu sais c'est non c'est une incarnation ou je sais pas quoi. Elle a 4000 ans, ouais ouais, ils sont dans la butte, c'est. Et c'est big en vrai. Nice. Elle a l'air bien renseigné quand même mine de rien. Moi, bah vraiment, j'aime pas les mangas et j'aime pas tout ça. Donc pour le coup, non, mais c'est juste que... Je sais plus avec qui j'en parlais, mais... Ah, j'ai un peu mal joué là-dessus, les gars. Pas dommage.
Ah, la game est un peu dure pour rien. Le problème, c'est qu'au début, je voulais jouer Vegarbot. Je laisse mon rôle à Twitch. Le jungle, il vient, il donne 2 x 6 kills au bot. Ça complique un peu la game. Hein. On est dans quel algo là? Non, je pense qu'on est en winner Q, juste que ça joue mal, tu vois. Moi, je pense que c'est compliqué de jouer et... Ouais, c'est un peu obvious. Je sais pas où ils m'ont vu, mais ouais. Ouais, my bad, j'aurais peut-être pas allé du ward. Ah, c'est pas marrant à jouer contre Kate et tout, hein. Y'en a ice, on peut prendre 2 tours.
Pourquoi j'essaye d'aider ma team à chaque fois? Ah, est-ce qu'ils peuvent contest? Ah, le problème c'est que là il va y avoir full trap. Tu as son R après, mais c'est big ça. Ça va, nice. Dommage pour le smite, mais bon. Ouais, tu peux pas vouloir de perdre un 50-50. Les gens qui flame les jungles pour le smite, c'est vraiment genre les gens qui comprennent littéralement rien au jeu. Alors après, moi c'est pareil, hein, ils avaient claqué. Ils avaient claqué R Caitlyn plus R Rumble sur moi, donc bon. Final, même si ça fait chier de mourir. Enfin, c'est worse de mourir en fait. Faut pas oublier que je suis qu'un support là dans la game. Donc ils claquent des choses sur moi, bah ça libère de la place pour ma team. Pourquoi y'a personne là? Ah ouais, mais. Ah y'a le Drake, etc. Les gens ils font des camps jungle, j'arrive pas à comprendre. Genre. A chaque fois ils claquent leur R Rumble contre moi et bon, en tant que petit Yordle c'est un peu compliqué, mais je sais pas pourquoi Gragas et Darius ils aiment trop être en retard pour les objectifs, genre y'a le Drake, y'a le Nash et ils sont là en mode va, je vais arriver en retard. Et là le problème c'est que moi je fais une erreur de positionnement. Ah, je me prends littéralement tout le monde sur ma gueule. Hein. Peu Schmidt. A lieu. Ouais. Obvious. Sneaky, sneaky.
Et y a une petite haine contre ma personne, hein. Ah, tout de suite, mort. Nice. Et je crois que no joke, mon heal a carry. On va se donner une petite médaille là-dessus. Je crois que mon heal a carry. Je crois que ma team veut vraiment run down. Hein. Je crois que le Twitch ça fait 8 fois qu'il go solo. Ah, c'est un combat de qui va run down le plus. Hein. Là, ils avaient le choix entre juste back, on revient, on fait le Drake, on fait le Nash, on gagne la game. Ou alors se suicider. Ils ont pris l'option du suicide. Je pense que je vais faire une Banshee là, j'ai clairement pas assez de gold pour go Abaddon. Ah là il me faut une Banshee et une Banshee. Rabadon ça vaut trop cher en fait. Le problème de Rabadon c'est que là il me faudrait 1250, 1250 et après 1100 gold. J'ai clairement pas les gold pour avoir tout quoi. Alors que là Banshee ça me permet quand même de... d'esquiver des trucs et... Ah vas-y, la game est trop dure, ils rendent la game trop dure. Là dites-vous qu'en support en étant 3-9, j'ai quasiment solo la Lux. Et j'ai tué le Graves. Ah ouais, c'est pas facile les gars. Ah ouais, là il y a vraiment le Twitch, il joue pas pour gagner, il joue pour s'amuser. Le Darius dans sa tête c'est Faker, du coup il dit je vais forcément essayer de faire des moves 1v9. Ok, je peux peut-être le tuer. Elle est où mon équipe? Ah, mon équipe était pas là. Ah. My bad.
Oh la game. Oh la game clown fiesta. Alors, le problème c'est qu'il y a la soul dans 3 minutes et il y a le Nash et ouais. Faudrait vraiment ma Banshee et avoir des pinks là mais bon. Ah, le Twitch est bientôt full stuff, le problème c'est que ils ont plus de range que nous et c'est un peu chiant ça. Oh Darius. Oh non. Non. Ouais, je commence à aller warn, mais bon, j'ai ma Banshee, prochain item Rabadon. Prochain item les gars, Rabadon. Bon, il faut que je chope 3600 sachant que je dois acheter des pings tout le temps. Non, mais le Twitch est toujours pas full stuff. Oula. Tu pas mort? Aide-moi. Mais je peux pas! Ouais, le père Maslow. Il fait pas de... Oh cette game. Oh cette game les amis. Ah c'est vraiment un combat de stro hein. Oh c'est vraiment une game, un combat de stro. Qui stro le plus? Voilà, faut se dire que la Banshee je l'aurai jamais, hein. La Rabadon je l'aurai jamais. Hein. Mais
Oh, la game est tendue. Oh là 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 là, la game est... Je cours frérot mais... Merde. Boum. Utilité du Vegar en 29 minutes. Boum. Boum la win. Oh Jésus Marie Josette. Oh, cette game était l'enfer sur terre. En fait, c'était un combat à deux. Pas... En fait, c'est ça. Le... Cette game résume tout League of Legends de maintenant. League of Legends avant, c'était... T'es bon, tu montes. Maintenant, c'est... Tu seras pas, tu gagnes la game. Et c'est un combat en mode... Non, moi, je vais seraux. Non, moi, je vais seraux. Non, regarde, moi, j'y vais en VS4, je seraux. Non, moi, sur un timing où il y a le Nashor, je vais me suicider. Oh, le combat de débile profond. Oh, mama.